solidarité internationale et solidarité entre peuple haïtien avec peuple latino-américain. Et solidarité ça, nous avons deux exemples là sous table. Une c'est Brigade des Salines. Donc Brigade des Salines c'est une brigade que Via Campesina mettait campé en Haïti avec collaboration Mouvement Paysan Haïtien depuis 2008. Côté que gagné une série de quatre paysans qui là cap travaillent directement avec Mouvement Paysan dans différents domaines, dans la question de semences, dans la question de reboisement, dans la question élevage, dans la question de médecine traditionnelle. Et yo à côté peuple haïtien pour montrer peuple haïtien justement que ce n'est pas MINUSTAH qui seule présence latino-américaine en Haïti. Donc c'est face à agression MINUSTAH, qui sont occupation militaire, gagne une présence solidaire des peuples latino-américains qui exprime à travers brigade là. Et nous gagnons deux représentants de brigade là, qui c'est Victoria Marinelli qui est là avec Ramiro de Cuba qui est présent qui parle parler de brigade là. Nous gagnons tout un autre exemple de solidarité qui c'est Monique Ariette, lui-même il paraît en Haïti, la vive Uruguay et lui depuis 6 ans, il est un dirigeant, une coordination de en pile organisation uruguayenne qui a bataille pour retrait troupes MINUSTAH en Haïti. Donc il parle parler nous de expérience là et de qui ça loue en Haïti, de qui gens que pour le travail parce que année 2014 là, c'est une année clé sous question MINUSTAH parce qu'on a songé que 1er juin 2014 pour le faire MINUSTAH 10 ans dans pays, hein? 10 ans d'occupation, 10 ans de viol, 10 ans de violation systématique des droits fondamentaux du peuple haïtien, nous dit 10 ans ça suffit. 10 ans c'est trop à tort. Faut que bagaille ça suspende. Et non seulement faut nous retirer les troupes MINUSTAH dans le pays, faut nous mettre au dehors dans le pays, mais en même temps, faut nous construire une autre vision, faut nous construire une coopération solidaire, un peu sous modèle ça que Cuba a fait avec Haïti, notamment dans le domaine médecine et dans l'autre domaine. Nous c'est pas une brigade des Salines qui était sortie depuis Latino-Amérique, qui était prend initiative là via Campesina, qui c'est chimène paysan, qui c'est une organisation internationale, non, ça fait paysannerie et dans tout le monde. Mais après ça, je viens partager une invitation pour conformer tout, pour faire part pour la plateforme ALBA, pour le mouvement social. Et les ça, nous venons d'entrer, Cuba, Argentine, Venezuela et l'Atrié. Et bon, pour qui ça, il y a une brigade, et pour qui ça, la brigade des Salines, nous relais, pour qui ça, il y en a en Haïti, nous y est. Bien dit Camille, qui c'est pour permettre. De yo MINUSTAH pour cap dit ça c'est façon vraiment latino-américaine peuple latino-américain blessé en Haïti blessé à marcher à haïtien pour renforcer un pays gamou peut-être li chaque haïtien connaît qui Haïti c'est gamou peut-être li déjà d'ici années avant MINUSTAH arrivé c'est trop à trop est vrai. MINUSTAH, c'est une occupation militaire, mais c'est tout une occupation politique là. Ou bien les défend, les mettait un masque avant, il y a une occupation politique là qui vient en Haïti. Donc les a peuple en Latinoamérique, peuple qui habilité, qui a gommé la vie, et nous vient dit non, faut que MINUSTAH quitte Haïti, faut que fausse occupation qui passe seulement à MINUSTAH et qui a une coopération internationale qui voulait mettre main dans sa fait politique là, dans le pays. Voulait prendre décision par tête haïtien et voulait prendre décision par un peuple qui a déjà plusieurs années et qui te prend indépendance. Il y a beaucoup reconnaître l'indépendance, hein? Il y a beaucoup reconnaître qu'il y a c'est autonome, qu'il y a capable autodéterminé, fausse paille et destin, vous avez dit, destin, paille. Et bon, pour ça, nous vîmes camper là, nous vîmes travailler avec le peuple. Nous sommes peuple dans chaque pays, pas nous. Nous sommes l'entend mouvement social. Et nous vîmes partager ça. Mais pendant ce temps, tout ça, qui s'est en Haïti, a passé ça. Dans chaque pays, pas nous. Nous avons gommé. Pour mettre discussion et puis problématisation sur ça fait trop ou bien gain trop la main l'andam MINUSTAH. La première révolution anti-esclavio, c'est la révolution haïtienne, c'est la révolution que te fait papa de Salines. Et puis c'est un exemple pour tout pet qui après commencé la bataille pour faire libération. Pour
pays yo. Bon, ministre, c'est une fausse occupation. Haïti gagne trois formes d'occupation, gagne occupation militaire, gagne occupation politique et puis gagne occupation économique. C'est un problème qui n'est pas un problème pour l'autre pays, c'est un problème qui fait solution pour les Haïtiens. Pas venir, pas d'accord que venir l'autre pays, que venir une force militaire pour venir pour contrôler les Haïtiens. Le problème, c'est seulement un problème qui fait solution pour les Haïtiens. Nous connaissons bien que tout intérêt que gagne le pays capitaliste dans Haïti, c'est un motif. Oui. C'est un motif pour mettre intervention la main dans Haïti. Haïti, c'est un pays qui gagne un bel tilti, qui gagne un bel côté, gagne un pile, comment relève richesse? Richesse. Et puis, pays capitaliste, yo, vini seulement pour voler tout. Bagaille toute richesse que gagne les Haïtiens. Nous venons pour montrer notre solidarité. C'est une solidarité entre les, c'est une solidarité pour nous accompagner, pour nous connaître tout guilty, comment faire production. Bon, c'est notre solidarité qui passe solidarité que gagne le ministre. Como di tout pays capitaliste que ministase y un façon que c'est colaboration que c'est solidarité passe solidarité que pote ONG ampil ONG vini seulement pour la tête pet vini mette un tico pa capap ranger bien problème que venir après soti y continue même problème dans Haïti. Nous sommes ici donc pour vous dire que vous n'êtes pas seul, que les peuples latino-américains ont commencé à réagir et que cette invention perverse de la MINUSTAH qui a mis en place l'impérialisme américain à travers l'ONU a servi pour quelque chose de positif, que c'est de nous retrouver comme peuple. Depuis 1804, nous avons compris que l'impérialisme américain, l'impérialisme français, ont isolé le peuple d'Haïti du reste de l'Amérique latine et des Caraïbes. Ils ont fait un blocage différent que celle qu'ils ont fait à Cuba. C'est un blocage médiatique en construction une image d'Haïti. Et ils ont rendu invisible le peuple d'Haïti et ses luttes pour nous, le peuple latino-américain. Donc nous avons commencé à nous préoccuper de savoir ce qui s'est passé lorsque nous avons appris qu'il y avait des armées, non armées, qui étaient emmenées pour faire une occupation militaire en Haïti. Ça nous a beaucoup préoccupés. Le peuple uruguayen n'accepte pas cette usurpation, cette violation du droit de souveraineté, d'autodétermination du peuple d'Haïti. Et nous croyons qu'il est temps déjà de finir avec tout genre de colonialisme en Amérique latine. On appuie la lutte du peuple de Puerto Rico, on appuie la lutte du peuple argentin pour récupérer les Malvines. Et on appuie surtout et exprès la lutte du peuple haïtien. Haïti est des Haïtiens et pas des impérialismes qui le saccagent depuis toujours.